Voilà, donc nous sommes à Saint-Martin pour vous faire vivre en direct ces résultats. Donc voilà des résultats définitifs. Donc pour la génération Hop, le résultat définitif est de 1638 voix. Pour la Team Gibbs, 3226. Et pour le RSM, 4732 voix. Donc on peut d'ores et déjà dire que Louis Mussington est élu au niveau de ces élections, de ce deuxième tour des élections. Louis Mussington attendu avec une ovation. Il va bientôt arriver ici. Voilà donc l'ambiance à Saint-Martin, une ambiance, on va dire, où une population est vraiment en une population vraiment contente, une population qui fait une ovation à tous ceux qui font partie du RSM. Nous avons vu vraiment l'ancien président que vous pouvez voir ici, Monsieur Richardson, qui est arrivé ici puisqu'il était sur la liste du RSM. Nous avons donc des ténors, comme on dit, du RSM qui sont arrivés ici. Louis Mussington qui ne tardera pas à arriver, accompagné de tous ses colistiers, mais accompagné de tous ceux qui ont fait campagne avec lui. Est-ce que nous avons le temps d'avoir M. Richardson avec nous? Nous pouvons lui demander de venir. Pardon. Monsieur Richardson, oui, quelques mots. Alors voilà, c'est une éclatante victoire pour vous. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence dans cette élection? En fait, c'est une éclatante victoire pour Saint-Martin. La différence dans cette élection, c'est en fait une équipe qui était une équipe soudée, une équipe d'expérience, et c'est ce qu'attend la population. Il est l'heure pour nous de nous mettre au travail, c'est ça? C'est une autorisation, c'est un ordre de mission de travailler. Merci à vous. Louis Mussington qui arrive. Louis Mussington qui est en train d'arriver ici. Voilà, Louis Mussington. Voilà un homme heureux. Louis Mussington, nouveau président de cette collectivité territoriale de Saint-Martin. Voilà donc, nous poursuivrons avec vous d'ici quelques instants. Voilà donc, nous reviendrons d'ici quelques instants avec vous. À tout à l'heure. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.